Bon jeudi tout le monde, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, ça sent peut-être déjà le bon café chez vous. Et pour bien commencer notre journée, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Et ce matin, comme sujet, j'ai décidé de le prendre le taureau par les cornes et de vous parler de quelque chose de particulier qui peut être un donneur de sens et un preneur de sens. Je vous parle du doute. Est-ce que vous doutez? Est-ce que vous avez le doute dans votre foi? Je vous avoue que, bien humblement, moi, je doute. Des fois, là, même sur peut-être l'existence de Dieu, sur la présence réelle là, du Christ dans ma vie. Là. Et peut-être vous allez dire, « Oh mon Dieu, quel scandale, il doute. » Mais je ne suis pas tout seul. Hein? Je ne suis pas seul. Et je vous dis que je prends le taureau par les cornes parce que je me dis que je dois laisser le doute dans ma vie me creuser. Je ne dois pas le laisser seulement me sortir de ma foi complètement. Hein? Et je me pose la question à savoir comment je fais pour bien l'utiliser, le doute. Je suis sûr que je parle à des gens peut-être même qui ne croient pas du tout, qui sont athées. Et je parle à d'autres qui ont des passages de désert dans leur foi. Et je ne suis pas seul là-dessus. Mais il n'y a pas longtemps, je parlais avec un de mes amis qui est entrepreneur. Et vraiment un gars inspirant, là, un entrepreneur humain. Et il me disait souvent, comme entrepreneur, il doute. Il doute de ses capacités, du rêve qu'il veut vraiment accomplir. Il doute du système dans lequel il est, là, de faire des profits. C'est assez, ça vient enlever les valeurs un peu que tu veux t'instaurer. Et il me disait une analogie qu'il avait lue lui-même là, quelque part, vraiment intéressante. Il dit, le doute pour un être humain, c'est comme un jardinier qui décide de planter une graine, mais à tous les jours, il va déterrer la graine pour savoir si elle a poussé. C'est ça le doute. Elle ne poussera pas si à tous les jours, tu t'en vas déterrer la graine que tu as semée pour voir si elle va pousser. On s'entend-tu qu'elle ne prendra pas? Alors ça, ouais, ça peut être le doute peut être un preneur de sens. Il peut t'enlever vraiment ce que toi, tu veux laisser germer en toi, ça c'est certain. Là. Et d'un autre côté, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, mais il y a un certain René Descartes, un philosophe qui a dit « Je pense, donc je suis ». Autrement dit, l'existence est fondée sur le fait que moi, je suis en train de penser présentement. Et dans le doute, on a converti, je dirais, cette phrase-là, et je l'ai lu sur un titre d'un livre d'un certain Alistair McGrath. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. C'est un homme qui était rationnel, qui s'est converti à la foi. Il a écrit un livre, et je ne l'ai pas encore lu en passant, j'ai juste vu le titre, mais qui s'appelle « Je doute, donc je crois ». Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai hâte d'aller creuser un peu plus loin son livre. Mais je pense que ça peut être ça, le doute. Ça peut creuser notre appétit pour savoir vraiment en quoi je crois. Parce qu'on vient valider et vérifier les croyances, la base de notre foi. Pas seulement se déterrer la graine qu'on a semée, mais au contraire, se vérifier et valider le donneur de sens qu'on est grâce à la foi qui nous rappelle qu'on doit être des donneurs de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville, réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre. Je
Je suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. C'est pour le mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié. On a pensé vous offrir comme cadeau un magnifique pendentif, vous le voyez présentement à l'écran, avec un cœur de cristal rouge orné avec une petite croix argentée. Et je sais que vous allez être très heureux, le pendentif vient enfin avec la chaîne argentée également. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau pour ce beau mois de février, comme je vous dis, de l'amour et de l'amitié. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de ce que vous ferez pour le ministère de la Victoire de l'Amour, parce que le mois de janvier a été extrêmement difficile au niveau des dons, mais je vous fais confiance qu'en février, nous pourrons reprendre le temps perdu. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle que c'est une façon extrêmement sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois, un véritable bijou, ce pendentif avec un cœur de cristal rouge orné d'une petite croix argentée. Je vous remercie de tout cœur pour votre grande générosité et merci aussi de votre prière, parce que vous savez que sans la prière, nous ne pourrions pas être là. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie énormément. J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. Il a été imaginé au monnier de prison, à la prison de Bordeaux, pendant 38 ans. C'est pas rien, hein? Le père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le message de Jésus nous est donné par Saint-Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus se portèrent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait ainsi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. » Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. C'est aujourd'hui la fête de la présentation de Jésus au temple. La loi juive exigeait qu'on présente le premier-né mâle
au temple pour qu'il soit consacré à Dieu. Et étant donné que Marie et Joseph étaient des bons Juifs, ils ont respecté cette coutume et sont allés au temple pour présenter Jésus. Vous savez, la fête de la présentation est aussi une fête où on peut considérer que Jésus se présente à nous, chacun et chacune, particulièrement dans le silence, dans la prière, dans les personnes qu'on rencontre, dans les événements aussi. Il y a un très beau texte de l'Apocalypse qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Jésus se présente à nous non pas comme un justicier, comme un terroriste, comme malheureusement dans le passé, on nous a présenté Dieu de cette façon, mais comme un Dieu d'amour, de lumière, il est la lumière des nations, un Dieu de compassion, de miséricorde et aussi de pardon. Jésus se présente à nous aussi pour nous libérer. Chacun et chacune de nous, souvent, nous avons des prisons intérieures. Et ces prisons intérieures nous empêchent de nous, d'être libres vraiment. Et moi, j'ai une amie qui est devenue mon amie, qui a rencontré le Christ, qui a rencontré Jésus suite à un événement que j'ai vécu, c'est-à-dire dans un salon funéraire où je faisais la liturgie de la parole pour un de ses amis. J'ai parlé du sacrement des malades. Elle était prostituée. Elle était une femme polytoxicomane. Elle m'a demandé après la célébration, est-ce que je pourrais moi aussi recevoir ce sacrement? Et voilà que je lui ai donné rendez-vous à l'Oasis Liberté. Elle a dit, je ne serai pas guérie parce que j'ai le sida, j'ai l'hépatite C, j'ai toutes les maladies possibles et impossibles, mais j'aimerais avoir ce sacrement. Elle s'est présentée à l'Oasis Liberté seule, mais elle avait complètement été changée parce qu'elle vivait dans cette perspective d'être guérie intérieurement. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'elle, après avoir reçu l'onction des malades, elle a été radicalement transformée. Elle a tout laissé, la prostitution. Elle a laissé aussi les drogues. Et régulièrement, elle venait avec sa petite fille à l'Oasis Liberté, à chaque Eucharistie qu'on avait. Et finalement, après 5 ans, elle est décédée. Et on peut dire que cette rencontre avec Jésus a été une rencontre pour elle d'une grande transfiguration intérieure et même extérieure, si je peux dire. Alors, il faut faire confiance au Seigneur qui habite en chacun et chacune de nous pour transformer nos vies. C'est ça la présentation de Jésus au Temple, cette présentation qui nous est faite à chacun et chacune. Et dans ce sens, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Écoutez-la bien parce que c'est tellement vrai, l'image, elle est absolument magnifique. Ça dit « Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. Mais finalement, c'est vous qui vous brûlez. » Et ça, c'est tellement vrai. Des fois, on est en colère après quelqu'un, la personne ne sait même pas, et c'est à nous que ça fait du mal. Alors, demandons à Dieu de nous libérer de la colère. À demain. Bye. C'est ce qui m'a sauvé de ma dépression. 3 points, pas compliqué, là. Reconnaître tes lumières intérieures, tes forces, ce que Dieu a mis en toi, tes talents, tes forces. 2, reconnaître que le Christ est une lumière pour toi, qu'il est en toi une lumière, une force. Et 3, regarder autour de toi les personnes qui peuvent t'apporter de la lumière. Alors ça, c'est ça qui m'a vraiment aidé à me ressaisir puis à sortir de ma dépression pour être dans la lumière.